Ça
assalamu alaikum population de Thilé Boubacar. Assalamu alaikum arrondissement de Thilé Boubacar. Assalamu alaikum commune de Ndiaye Pendaw. Bala may commencer damay nuyu borom dekk bi. Ma ngi nuyu chef de village. Di ci tek le sous-préfet. Di nuyu l'association sportive du lycée de Thilé Boubacar. Di nuyu le proviseur et le censeur. Di nuyu mbolom élève yi fi tew téwal journée bi. Man awuma sen fay. Les Français n'ont, je n'ai pas les mots, man awuma sen fay. Ndax li rek kumu doyul dara du la doy. Ngeen jël sen journée maréné mako. Ndax nit ñi bari nañu lool way ngeen tanuma té ma ngi jittal ñoo ko xamanteni damay wax ak mom depuis 3 ans moy monsieur Mané. Su ngeen gisé ma nopi touti dafa am sama xel fu mu dem da am ku fi nekkon bam fi ñëkke ñoo fekk na ko fi té amna lu mu waxon motax mo waral sama silence bi touti. Ñu koy ñaanal Yalla, Yalla nako Yalla xaaré aljan. Di remercier population Thilé Boubacar yépp. Di remercier ñi nga xamni awma sen fay suba ak ngon guddel beutek ñu ngi may wo ci journée bi dima topoto di xalat dama am émotion. Je ne sais pas si je suis en émotion. Je ne sais pas si je suis en émotion. Je ne sais pas si je suis en émotion. Je ne sais pas si je suis en émotion. Je ne sais pas si je suis en émotion. Je ne sais pas si je suis en émotion. Ndax ku wérul do mars do mun dem fenn kon yeen ngi joxé bon exemple li kenn duko néwal randonné kenn duko néwal dox mars pour sa santé kenn waruko néwal tay arrondissement bi yépp waron nañ fi téw mais xeyna nit ñi amañu jot bi mais yeen xalé yi yeen la Yalla may xel bi ngeen and ak seen professeur yi and ak sen jitt yi ngeen def li kon nak man awma sen fay awma luma len di fay sigil ngeen ma sagal ngeen ma su dum yewti med halé poular set taxawé di wax munuma taxaw fi di wax ba dem te duma remercier le président de la république di remercier le coordinateur département de Podor muy Ablaye Daoud Diallo di remercier les ministres du département de Podor les députés les DG les PCA les hauts conseillers ñepp ma leen di remercier ndax tay soxna ci xeyna ci milieu politique lañ ko xamé mo da suñu fi taxawé il faut ma sann ci baat bop di remercier ñi nga xamni ñoomo gungé ci bis bi suma xolé sama droite ma ngi gis madame Boly Ba responsable politique Thilé Boubacar. Si je suis ici, je suis ici, chargé de mission. Je suis ici, chargé de mission, conseil municipal. Je suis ici, je suis ici, je suis ici, bonne fête. Je suis ici, 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 je di len gërëm ay su dum yewti mbéd salmine population Thilé Boubacar fofu mbéd salmine chef de village mbéd salmine le sous-préfet mbéd salmine le proviseur le censeur et tous les professeurs wambe do école mbéd salmine l'association sportive de Thilé Boubacar
yettube oodo initiative ala mo teddir dum sana min o dum non ko weltare mawnu ndanyim hen weltare ganda en jogir fuddi kon ala da haaji mbedi wi mon kon sukaade dum do ko baddon ko mars baddon pour seppudi pular wi dum seppudi seppudi non ko cellal bondu sa sellana wa seppudi te ari e waktu mum ari ko covid 19 te pamen kade ha joni nyawngu nendo yahani mbatten hakkilaje mesure bareji ha joni pamen ha joni ha nyawngu gasan do yet kadi mbere salmina madame dia wawa yobdem alla jaarama jaarama yi darnema monsieur cham nendo yesam som limitam mi djumat mbere salmin kal jagnode odo journée gil fudda ha joni gile telefonaji mumen kon mbere wadde salmina nga hertung e monsieur mané mbere way wi ko hanni hanni ji mom monsieur mané depuis 3 ans minen kalde henet dum non mo wawa wi dem sana wala jaaramo jaaram e kanke mbo wondube fof dum non mbere nyaagano mon bonne fête ngaram mes salutations et mes remerciements au proviseur du lycée Amadou Diallo représenté par le censeur des études. Et mes remerciements aussi à l'association sportive du lycée, à leur tête M. Ndiaye et M. Mané. Mes bonjours et mes félicitations à l'ensemble des élèves du lycée de Tile Boubacar, du moyen et du secondaire. Je suis très honoré aujourd'hui d'être présent parmi vous pour la simple raison que l'éducation, le sport et les loisirs sont les trois baromètres qui composent l'activité pédagogique. Si vous vous rendez compte dans votre année scolaire, en un certain moment vous faisiez cours, ensuite vous organisez les IASU et vers la fin vous organisez les journées culturelles. C'est pour vous dire que ces trois baromètres font partie de l'émancipation pédagogique de l'enfant. Aujourd'hui, nous sommes là dans une activité sportive avec l'association sportive, l'organisation du randonnée pédestre qui a pour thème le sport et la santé. Nous savons tous que le sport fait partie des piliers essentiels dans la vie de l'individu, plus exactement des personnes âgées et surtout les jeunes. Nous savons que le sport fait partie de la vie intégrante des personnes. Aujourd'hui, nous sommes là pour démarrer cette activité que nous devrons faire depuis le mois de janvier. Compte tenu de la situation pandémique du pays, nous avons jugé nécessaire de le repousser jusqu'à une date ultérieure. C'est aujourd'hui que Dieu en a voulu. Je ne vais pas clôturer sans remercier Madame la marraine, Madame Sohna Sy, qui est une dame de la localité, de la circonscription administrative de Tile Boubacar, en l'occurrence de la commune de Ndiayen Pendaw, qui est une actrice de développement, qui est aussi une leader politique appartenant à la mouvance présidentielle. Madame la marraine, nous sommes très honoreux, nous sommes très émus de tout ce que vous avez fait pour honorer cette belle journée. Nous avons vu que vous n'avez pas hésité sur les moyens pour accompagner vos enfants, pour accompagner vos fils, pour accompagner vos filles dans leurs activités sportives. Nous vous remercions de ce très bel acte que vous avez fait. Je vais demander un peu aux enfants pour leur demander qu'aujourd'hui nous avons une mission. Cette mission, c'est de faire de ce lycée un pôle d'excellence. Pour que ce lycée soit un pôle d'excellence, c'est aux élèves d'attacher leur ceinture. Pour que dans quelques mois, nous serons face à deux examens, le BFM et le baccalauréat. Nous aurons aimé que parmi ceux qu'on va citer pour des résultats, que le lycée de Tile Boubacar soit parmi les meilleurs.
dans la région de Saint-Louis. Cela est possible. Pourquoi cela est possible? Parce que vous savez que vous avez un corps professoral déterminé à vous accompagner dans cette mission noble, qui ont une seule mission, qui est leur sacerdoce, c'est de vous faire d'excellents élèves. Ils sont sur ce chemin depuis des années, depuis des mois. C'est à vous de vous mettre au travail. Le professeur, ce qu'il peut, c'est expliquer, accompagner. Le reste, c'est aux élèves d'être assidus. C'est aux élèves d'être studieux. C'est aux élèves d'être sérieux. C'est aux élèves de savoir qu'ils n'ont qu'une seule mission. C'est apprendre leurs leçons. C'est ça qu'on leur demande, pas d'autre. Voilà ce qu'on vous demande. Voilà la mission que vos parents vous ont assignée. Voilà ce que la communauté attend d'eux, de vous. Sur ce, je vous demande une fois de plus de faire de ce lycée un lycée d'excellence. Un lycée où demain, les gens parleront de ses résultats. C'est ça que je vous demande. Le reste, vous aurez des vacances pour le faire. Parce que vous aurez des vacances pour le faire. Bien sûr. Donc, je remercie tout le monde. Et c'est l'occasion pour moi aussi de vous présenter Docteur Faridia. Vous le connaissez déjà. Et c'est lui tout récemment que le médecin chef du district de Podor a installé au centre de santé de Tile Boubacar, dorénavant. Et sera notre docteur responsable de ce centre de santé. Donc il faut connaître que déjà que c'est docteur Dia qui sera responsable de ce centre de santé. Je pense qu'elle a fait l'économie de ce que je devais dire par rapport à la santé et le sport. Nous avons notre éminent, le pharmacien est déjà là pour nous accompagner dans cette belle activité. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est aussi bien la communauté éducative, les parents d'élèves, mais aussi l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens qui sont tous là aujourd'hui pour vous accompagner dans cette belle initiative. Et Madame la Marraine, je vous remercie au fond du cœur. Et transmettez mes salutations et mes remerciements à l'ensemble de vos délégations, des personnes qui vous ont accompagné pour cette belle journée. Et je déclare ouverte cette belle journée et que ça soit dans la continuité, que nous l'inscrivons dans nos agendas, que chaque année, que nous, chaque 6 mois d'ailleurs, que nous pouvons nous retrouver, ou bien tous les dimanches que nous pouvons nous retrouver pour marcher en communauté et aider nos chers parents à retrouver un peu plus la santé. Je vous remercie.